Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, une vidéo, même deux vidéos, un petit peu spéciale puisque on va comme d'habitude y parler event, mais aussi je vais vous faire un bilan de mes 9 mois de jeu sur Infinite Galaxy. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, hein. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis, donc comme je vous le disais, plusieurs choses dans cette double vidéo. Hein. Une première donc où on va parler event et aussi commencer à faire le bilan de mes 9 mois de jeu. Et une plus précise où je vais vous parler de la suite et ce qui nous attend et vous attend. Les amis, donc commençons par les events, on le voit, alors déjà on voit je suis blindé de ressources. Ce qui est intéressant dans le bilan que je vais vous faire, c'est ayant été un middle spender, hein, j'ai suffisamment de recul sur le jeu à présent. Donc regardons, on a plan spatial, alors plan spatial, vous le voyez, hein, c'est 4 jours, 11h, 31 minutes, tout rond, voilà, 30 minutes et 57 secondes à présent, on le voit, plan spatial, c'est classique. Je vais vous faire part aussi de mon avis hein, sur cet event. Du coup, on a des récompenses en fonction aussi des missions et on a une double file, la file gratuite et la file qu'on peut acheter. On peut aussi aller sur le niveau d'achat et acheter tout simplement. Alors, regardez, je rajoute, ça me coûte du corium et je peux me blinder et aller jusqu'au niveau 40 et tout récupérer en échange de corium. Quel est mon avis sur cet event hein, avec le plan spatial? Alors déjà, est-ce qu'il faut acheter des niveaux? Non. Ne le faites jamais, 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 sauf, évidemment, si vous avez beaucoup trop d'argent. N'hésitez pas à le faire, la foncer si vous avez trop d'argent. Sinon, ce n'est pas très intéressant de le faire. La file gratuite hein, est déjà très bien. Vous pouvez acheter la file à déverrouiller. En revanche, il faut la déverrouiller si vous avez la garantie d'arriver à un certain niveau. Moi, je vous conseille de ne pas la déverrouiller au début et de la déverrouiller quand vous arrivez vers la fin à partir du niveau 30 ou plus. Là, vous pouvez la déverrouiller, c'est rentable. Sinon, déverrouiller cette file hein, et lâcher 10 balles, ce n'est pas des plus intéressants au départ. Si vous n'allez pas très haut, moi qui suis pour le moment, par exemple, que niveau 18, ce n'est pas intéressant. Lorsque je serai niveau 30, ça commence à être intéressant. Si vous atteignez toujours le niveau 30 et plus, hein, n'hésitez pas à la déverrouiller. Elle est rentable. Pour 10 euros pour le coup. Au niveau des missions, c'est classique. On ne va pas revenir dessus. C'est beaucoup de missions quotidiennes. Et des missions qu'on connaît, c'est toujours les mêmes. On passe à l'offre hein, qui dure alors toujours elle 1 jour, 11h, 29 minutes et 22 secondes, 21 secondes. Regardez, on a déjà spécial débutant qui n'a pas bougé. Remerciement express avec un problème d'indentation. Comme vous le voyez, regardez, on a un débordement de remerciement. Le TS en dessous, remerciement express fait partie des events qui pop. C'est un bundle de Thanksgiving. C'est pour ça qu'il est limité dans le temps. Et ce qu'il est intéressant, on va le voir tout de suite. Déjà, on peut avoir 5 caisses hein, de terminal, de croquis, de vaisseau amiral de niveau 3. Est-ce que c'est intéressant 5 caisses? Franchement, si vous avez de la chance à l'ouverture, c'est de la balle hein. 5 caisses, c'est énormissime. Ensuite, il y a de la dinde de Thanksgiving x5, vous allez voir à quoi ça sert. Des caisses d'ingrédients Thanksgiving x20, énorme aussi. D'un dispositif de communication rebelle, c'est propre. Hein. Caisse coffre de croquis d'appareillage avancé, très intéressant aussi. Pack de moulage d'appareillage. Cadeau d'alliés niveau 3, du point VIP, mais juste 200, puis 500 revitalisateurs. De l'acier nickel. Du plasma et pour finir du com 500. Est-ce que ce pack est intéressant? Oui, c'est un pack de mon point de vue qui est intéressant, surtout si vous avez de la chance hein, à l'ouverture des terminaux de croquis de vaisseaux amiraux. Là, ça sera encore plus intéressant. On continue, offre mensuelle, rien de particulier, rien de nouveau, rien de nouveau. J'ai l'offre spéciale de Thanksgiving de niveau 1. Elle n'est pas particulièrement intéressante, hein. Elle est assez classique cette offre spéciale. Tout ce qui est intéressant, c'est qu'on va juste récupérer des points VIP. Là, pour le coup, elle est un tout petit peu moins chère que d'habitude. C'est en ça que c'est intéressant. Sinon, elle n'est pas plus intéressante. Ah, regardez, attendez, il y avait un autre pack que je n'avais pas vu. Sinon, on a aussi la caisse d'ingrédients de niveau 1 à 2,99€. Ça peut avoir le coup pour aller haut dans les ventes, hein, mais sinon, ce n'est pas le truc de ouf. Hein. Au niveau des packs, il n'y a pas de pack particulier spécial. On passe aux événements. Cette fois, on a livraison de dinde. Là, c'est de la balle. Venez vite découvrir la dinde de Thanksgiving spéciale de Greg et appelez vos alliés pour la goûter ensemble.
Pendant l'événement, les cadeaux d'alliance ont une chance d'accorder des dindes de Thanksgiving. Les dindes de Thanksgiving contiennent des récompenses rares. Voyons qui a de la chance. Et bien évidemment, concours d'avant-dîner, où là, on a des quêtes qui durent encore pendant 2 jours, 3 jours, et où on peut collecter des récompenses sur les 5 jours totaux que dure l'event. Hein, on est déjà au quatrième jour. C'est un event intéressant, donc là, je vous invite à le faire. Hein, on peut vraiment avoir des récompenses sympas. Récupération d'ingrédients alors que tout le monde se préparait pour Thanksgiving. Les pirates de l'espace ont pillé la nourriture. Donc là, c'est juste pour nous inciter à aller latter du pirate de l'espace. C'est toujours sympa. Et on peut échanger après les ingrédients contre des cartes de commandant Molly Meyer. Par exemple, très bon commandant Yiling Ding, le commandant de ouf. Donc moi, je vous invite à choisir d'abord Yiling Ding et après Molly Meyer qui reste très bon. Et puis avec le surplus, vous pouvez acheter ce qui est en plus des ressources par exemple. Là, ce que je ne ferai pas, évidemment, puisque je les garde pour les commandants, c'est toujours plus intéressant. Pour le reste, étoiles de la galaxie, signal secret et reliques de l'espace lointain, rien de nouveau. Au niveau donc de ce qu'on a récupéré, si on va dans le dépôt, est-ce que j'ai de la dinde? Voilà, on a plusieurs niveaux de dinde. On a de la dinde de Thanksgiving bleue, de la dinde de Thanksgiving verte. On le voit, ça nous donne des choses différentes. Première dinde, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Ben, j'en ai qu'une, on va le voir tout de suite. Elle me donne du corium. La deuxième dinde, c'est dommage, on n'a pas, ou j'ai pas trouvé du moins, comment avoir une stade de ce qu'on peut obtenir. Donc ça aurait été intéressant de le savoir. Deuxième de pack de dinde, quoi, qu'est-ce que vont me donner ces 5 dindes? Du corium encore 30, 6 x 20, donc 120 points VIP, et deux accélérateurs hein, universels, 2 x 5 minutes pour les constructions. Donc rien de oufissime. Mais c'est des cadeaux gratuits, c'est lié à l'event. Franchement, on aurait tort de ne pas en profiter. Voilà pour les events de Thanksgiving, les amis. Il n'y a rien d'autre, je crois, d'annoncé lié à Thanksgiving que je vous dise pas de bêtises. Non, on a tout maintenant et ça se finit ben, le dimanche, hein, puisque c'est ce dimanche-là, Thanksgiving. Et après, il y a aussi les events normaux qui arrivent en cours de semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Au niveau, les amis, maintenant de mon bilan sur les 9 mois, je vais commencer dans cette vidéo et je vais poursuivre dans une seconde qui ne sera dédiée qu'à ça. La première chose, on va parler de bundle. En tant que spender, vous le voyez, j'ai 52 millions de puissance, 52 millions 248 000. Je dois pouvoir monter encore un petit peu plus haut en claquant tout ce que j'ai en stock. Regardez par exemple mes ressources. Est-ce que j'ai assez ou toujours pas encore? Alors j'ai assez au niveau de deutérium, de pas deutérium, de titane. Est-ce que j'ai assez de deutérium? Ouh, il ne manque pas grand-chose, donc ça doit pouvoir le faire. Au niveau du nickel, je pense que j'en suis loin. 23 millions, il faudrait que je le farme un peu plus. Et au niveau du plasma, je suis à la moitié. Donc je ne suis pas si loin que ça dans l'absolu de pouvoir le faire. Hein. J'achète quelques packs et je pourrais monter niveau 28, sachant que le niveau maximum est le niveau 30. Si vous avez raté mes vidéos où je présentais un niveau 30, n'hésitez pas à aller la voir. Les amis, vous l'avez dans la playlist Infinite Galaxy sur la chaîne. Donc en tant que spender au niveau des bundles, je trouve que si on est malin, hop là, plutôt cela, si on est malin et que vous suivez les conseils que je vous ai donnés sur l'achat des bundles, vous devriez pouvoir optimiser à fond ce que vous achetez et vous en sortir vraiment bien en ne dépensant pas trop. Après, c'est sûr, si vous voulez vraiment tout optimiser très rapidement, là, ça va vous coûter une blinde. La chose qui manque le plus dans le jeu, qui nous manque le plus quand on est un free player, ce qui n'est pas mon cas, c'est vraiment les ressources. C'est très loin monté. C'est pour ça qu'il faut être dans une excellente alliance hein, pour pouvoir récupérer du territoire d'alliance hein, un maximum de ressources, hein, mais également des coffres hein, qu'achètent les spenders de votre alliance. Si on y va là, par exemple, regardez-moi dans l'alliance, hein, je récupère pas mal de coffres, donc il faut une alliance quand même qui est très active, ça sera toujours utile. Et au niveau des offres, les offres spéciales débutants sont bien, on a remerciement express qui peut être bien aussi, on a des offres mensuelles, n'oubliez pas, hein, il faut comparer quand vous allez acheter un bundle, les bundles qui sont dans les offres du moment et les packs, puisque la grosse différence vient du fait que dans les packs, vous allez avoir un petit peu moins de ressources, mais plus de points VIP. De l'autre côté, dans les offres, vous allez avoir moins de points VIP, mais plus de ressources. Et les points VIP, c'est quand même un très très gros avantage, hein, faut pas se leurrer. Moi, j'espère arriver rapidement au
prochainement au niveau 12. J'en suis plus très loin, j'en suis à 100 000 points. Pourquoi? Parce que les points VIP, ça permet dans le store de faire des achats de ouf. Le niveau 11 est le premier niveau à viser, puisque le niveau 11, c'est celui qui vous permet par la suite d'acheter, comme je l'ai fait là, du plasma. Avant, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de plasma. Donc une fois que vous avez un niveau 11, vous avez accès à toutes les ressources de manière remisée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Vous voyez, c'est ultra rentable en termes de pricing. Regardez d'ailleurs, je les achète tous. Il me manquait quelques achats et quelques ressources. Hein. Le deutérium, je l'aurai nickel. J'achète tout. Ça coûte un peu de corium. Évidemment, il faut cibler. Hein. Moi, j'achète tout parce que j'ai les moyens niveau corium. Hein. J'en ai pas mal. Je les prends toutes. Donc, du coup, tac, tac, tac. Voilà, je les ai toutes achetées. Donc, vraiment, le niveau 11, c'est le niveau à viser. Le niveau 12, par la suite, hein, il peut être intéressant aussi. Surtout au niveau des bonus d'attaque avancée quand vous êtes en galaxie contre galaxie. Sinon, il n'a pas tellement d'intérêt. Le prochain niveau très intéressant, c'est le VIP 15. Mais là, il est vraiment chaud à aller chercher. Voilà les amis pour mon premier retour et les events hein, en cours. Évidemment, je vais poursuivre mon bilan dans une seconde vidéo que je publierai un petit peu plus tard par la semaine et je vous en dirai un peu plus. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.